Bonjour à tous, c'est DJ Fred 112. Aujourd'hui, je vous fais le déballage et le premier boot, on va dire, du Samsung Galaxy Grand 2. Donc, de chez Orange. Alors, pour la petite histoire, pourquoi je l'ai pris chez Orange? Parce qu'en fait, mon iPhone 5S, actuellement chez Bouygues, mais bon, je l'avais pris des signaux qui étaient opérateurs, actuellement chez Bouygues, n'a pas de réseau ou très rarement. Donc, ça commence à devenir vraiment très très lourd. Et du coup, je me suis dit, bon, ici, tout le monde fonctionne avec leur téléphone Orange. Donc je vais essayer Orange et pour l'essayer, je me suis dit autant le prendre avec un mobile. Comme ça me permettra d'essayer si ça marche pas. Je pense qu'ils ont tort, mais d'après eux, ça vient du téléphone. Et vu qu'on m'a déjà fait le coup, pour moi c'est sûr, ça vient pas du téléphone. Donc voilà. Donc la petite boîte du Samsung Galaxy Grand 2, donc forcément il y a le téléphone avec son écran. Donc je vais l'éteindre pour que je voie mieux moi en tout cas. Donc c'est un écran 5 pouces et demi, donc 5,25 exactement, en HD TFT de 133,3 mm. Donc je vous disais donc un quad cœur de 1,2 GHz en processeur, un quad cœur c'est quand même déjà pas mal. Donc l'écran 5,25, il fait la 4G bien entendu, parce que c'était un peu le but de la manipulation. Donc l'écran est vraiment beau, donc 5,25 pouces c'est assez grand hein, quand même franchement, il est vraiment génial. Donc là, j'ai laissé le petit film parce que c'est pour offrir. Ça... Donc à louer, je suis en 3G+. Là où, avec mon iPhone 5S chez Bouygues, je suis en Edge, voire même réseau indisponible la plupart du temps. Donc personnellement, voilà. Moi, franchement, c'était trop trop chiant pour moi, même pour les appels, les SMS, etc. Donc franchement, c'était vraiment trop chiant et du coup. J'ai essayé Google pour voir. Tac. C'est pas évident. Hein. Google.fr. Je sais pas, tu fais la bonne. Ouais. On va faire Google. Voir la rapidité. Il a l'air beaucoup plus fluide parce que là, il est même pas en Wi-Fi. Hein. Il est vraiment en 3G plus. Google. Pourquoi il met, je sais pas quoi lui. Google, on va essayer là. Je le dis en direct. Voilà. Donc franchement, il est super rapide. Il tourne vachement bien. Je vais quand même enlever l'écran, je vais le remettre après. Le film, c'est vrai que c'est un peu chiant pour la vidéo. Mais il est vraiment beau. Hein. Magnifique. Franchement, il est super rapide. Je vais taper Facebook. Franchement, hyper rapide. Comme je viens de le dire. Autoriser Google, ça va, on s'en fout. De toute façon, parce que je vais le réinitialiser après. Donc, que dire sur ce coffret? Bah, déjà, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, avec le téléphone dans sa boîte, bien entendu. On va aller voir le reste du contenu. Donc dedans, vous avez le petit bouquin Samsung. On dirait du papier recyclé. Hein. Donc là, le kit oreillette, je le trouve magnifique. Moi. Je ne sais pas pour vous, mais la télécommande et tout, le petit Samsung, bien fait, en blanc en plus. Vraiment pas mal. Le câble USB, alors c'est sûr, on n'est plus dans les anciens téléphones tout vilains, là, quand on avait les S2, les As. Les câbles, ils sont vraiment beaucoup plus beaux. Je suppose qu'en plus, maintenant, ils mettent de l'USB 2. Donc, le câble est beaucoup plus rapide au niveau de la charge. En même temps, dedans, il y a une batterie. On regardera après. Donc, ça, c'est par contre, c'est standard. Ça devient un peu standard, les petits chargeurs Samsung. Mais bon, il est beau. Hein, il est pas mal. L'important, c'est qu'il charge. En tout cas, je le souhaite. J'essaierai. Pour la batterie, je vous disais, c'est ça que je trouve magnifique. C'est que bon, ils ont mis un grand écran. Donc, de toute façon. Il fallait une grande batterie, ça c'était un petit peu inévitable, on va dire. J'espère pas le casser, c'est pas trop le but. Voilà, on va prendre de côté, c'est parce qu'il est collé avec le film plastique. Voilà. Donc je vous disais la batterie. Donc elle fait donc 3,8. Alors là, c'est pas écrit, mais je crois que c'est du 2600 mAh. J'avais cru voir ça sur des vidéos justement des potes use, enfin des post hackers, je sais pas comment on dit, podcast, enfin des gens qui testent les téléphones. Je crois qu'elle fait 2600 mAh. Mais en tout cas, donc niveau menu, elle est vraiment bien. Le NFC, bon, c'est à l'activer parce qu'ici on n'a aucun. Le USB, je connais pas trop. Donc là, les données, je vais activer la Wi-Fi parce que c'est vrai que bah, c'est pour pas vous faire l'abonnement. J'ai pris un 7 Go, donc je pense que j'aurai pas de soucis au niveau du data. 7 Go de data.
Je voudrais quand même aller vous montrer ce qu'il fait. Alors déjà, les paramètres. Pour voir la version d'Android qu'il y a dedans, je crois que c'est du 4.3, 4.4.3 peut-être. Appareil à proximité. Général. Voilà, à propos du téléphone. On est sur du 4.3. Donc je pense qu'il y a une mise à jour Kit 4 qui ne devrait pas tarder. Si elle n'est pas déjà là d'ailleurs, je vérifierai. Mais franchement, pas mal du tout. Donc que dire, bah, je vous dis l'écran magnifique. Je vais voir pour les photos ce que ça donne et la vidéo. Franchement, la qualité est magnifique. Je vous montre. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Alors j'ai toujours dit chez Samsung, ils ne sont pas discrets. Et j'ai vu qu'il y avait plein de modes. Alors il y a le mode alors, qui m'a beaucoup fait rire, c'est le mode ton riche n'est pas là. Rafale, meilleure pose. Le mode beauté. Le mode beauté, ça veut dire qu'il prend pas de photos si t'es pas beau en fait. Non, c'est pas ça. C'est qu'il prend les meilleurs endroits de la photo en avant et le reste en arrière. Donc le mode auto, on va laisser le mode auto pour prendre une photo. Mais on va aller regarder après ce que ça donne la photo en elle-même. Voilà. Donc la galerie, sur Android, ça fonctionne beaucoup avec galerie, contrairement à iOS. Tac, voilà. Elle est vraiment magnifique la photo. J'ai vu, moi qui compare avec mon pote du Mans qui est avec les Samsung Galaxy S4, il a raison, ils sont magnifiques. Mais je trouve que niveau photo, le S4, il y a beaucoup de réglages, il y a beaucoup pour faire des belles photos. Il faut vraiment le prendre en main. Et là, vous voyez, je viens de le déballer. Je prends à peine une photo à l'arrache et la photo, elle est vraiment magnifique. Elle n'est même pas pixelisée. Honnêtement, magnifique. Donc, on est sur du Samsung. Hein, je ne veux pas critiquer parce que je suis Apple un peu partout, on va dire. Pour ceux qui me connaissent. Mais il est fluide. Il est fluide. Bon, je ne pense pas que je vais le faire planter parce que de toute façon, je ne vais pas l'avoir assez longtemps pour ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'avais fait l'essai sur. Le S3 à l'époque en quad cœur que j'avais fait planter le premier jour. Bon, à part ça, c'est quand même de la bonne bécane. Hein, c'est du Samsung et les dernières générations de Samsung sont vraiment pas mal. Je ne vais pas beaucoup vous parler de l'intérieur du téléphone parce que ça fait un petit moment que j'utilise plus Android. Et honnêtement, je commence à être dépassé. Je reste Apple. Ça, franchement, bon, je les trouve toujours magnifiques. Hein, y a pas de... Mais je ne pourrais pas les utiliser à cause d'un compte iCloud en fait. Donc rien qu'à cause de ça. À cause du compte iCloud de chez iOS. Donc je pourrais pas retourner Android ou alors en second téléphone, mais je pourrais pas en tout cas avoir un téléphone Android à plein temps. Parce que mon Note et tout que j'utilise tous les jours pour SIS informatique. Donc là franchement, je ne pourrais pas. En tout cas, il a l'air super rapide, super fluide. Moi je trouve ça magnifique. Google. Je le trouve vraiment, vraiment très rapide. Par rapport, je suis sûr qu'il est. Même le mien en Wi-Fi, mon iPhone 5S, est pas aussi rapide que celui-ci en 3G plus en plus, parce que tout à l'heure j'étais en 4G au Mans, mais là, à Loué, on n'a pas la 4G. Mais bon, je me plains pas, chez moi, j'ai pas de réseau du tout, et là, j'ai vraiment du 3G plus. Donc le H plus en fait. Donc le NFC est activé, il a les cellules en haut, c'est pour regarder, si vous regardez l'écran, si vous ne regardez pas, en cas de film qui se met en pause, ou je sais plus trop quoi. Réseau Wi-Fi, je ne vais pas le mettre tout de suite, hein, je verrai ça après. Bon, bien entendu, il y a le GPS. J'espère qu'ils ont laissé le GPS navigateur gratuit Android, parce que je le trouvais très bien moi quand j'étais Android. Bien que depuis j'ai mis. On va voir une vidéo, tiens. Bien que j'ai vu. Depuis j'ai vu. Je suis passé à iOS, j'ai d'autres GPS. Non, pas maintenant, on s'en fout. On va pas connecter, je dégage. Donc là, on va mettre une vidéo à moi hein, pour pas avoir de problème avec. Avec Google. Voilà. CS72. Ah, il commence un petit peu à laguer. Ah, je passe en Edge. Ah, je passe en Edge. Il commence un petit peu à laguer. Je vais le passer en Wi-Fi, mais au moins il me sort la vidéo. Contrairement au mien, il me sort les vidéos. iPhone 5S déballage. Voilà, comme ça, on ne sera pas dépaysé. Voilà. Quand même essayer de mettre ma Wi-Fi. Donc Android c'est ici. On va prendre SIS 72. Je vais mettre mon mot de passe. J'ai pas.
Ça a l'air d'être bon. Connecté. Là, du coup, YouTube, ça devrait être mieux. Donc, le multitâche, je ne sais pas où il est. Donc, là, j'appuie deux fois au milieu. Ah oui, c'est le fameux S-Voice. Donc, j'avais utilisé. D'ailleurs, j'avais trouvé que c'était magnifique sur Android, le S-Voice. Y a pas... Je ne sais pas comment c'est le multitâche chez eux. C'est pas un appui long, non, ça c'est recherché. Ou un appui long ici. Ah, il est là, le multitâche. Donc, j'étais sur YouTube. Donc là, en Wi-Fi, bon, forcément, ça doit être. YouTube. Il y a qui est 5. Il a un beau son, en tout cas. Il n'est pas à fond. La couleur, c'est pas ça normalement. Sur ma vidéo, ça doit pas être ça la couleur. Je trouve ça un peu bizarre. Il est rougi. Je sais pas pourquoi il fait ça. En plus, il en a accéléré. On va essayer avec une autre vidéo. Je pense que c'est que celle-là qui a un effet rougi. Je sais pas pourquoi. Enfin, il va falloir que j'y regarde parce que c'est pas normal. Qu'est-ce que je peux vous passer comme vidéo où j'aurai pas de hic? Donc, bah, de toute façon, je vais sur ma chaîne, hein, SIS Info. Ouais, c'est facile. Au moins, celle-là, elle est en blanc. Ouais, elle est comme ça, normalement. Ça, c'est mon ancien en plus. Hein. Parce que le nouveau, vous allez le voir sur cette vidéo. De toute façon, ce n'est plus ça du tout. En tout cas, il grimpe pas du tout. Bonjour à tous, c'est DJ Fred 112. Donc, Aujourd'hui, là, je ils vous ont un montre à son, je pense partir d'une pas. photo sur un Mac. Voilà. Non, franchement, il grimpe pas du tout. On va voir ce que ça donne. Ah, ouais, bien. Ah, là, c'est autre chose que ce que j'ai actuellement. Même niveau. Bon, je critique beaucoup Apple, mais faut savoir que je peux pas m'en séparer. Hein. C'est juste que là, on est sur un téléphone qui est d'abord neuf. Donc, forcément, il marche très bien. En plus, c'est du quad cœur. Donc, moi, je suis un iPhone 5S, j'ai un double cœur. Là, on est sur un téléphone, je crois qu'il a 1 Go de RAM de mémoire. Hein. Je sais plus trop, je peux pas trop regarder. Mais je sais que tout le monde s'en fout des caractéristiques. Je sais plus, enfin, je regarderai, mais je crois que c'est ça, c'est 1 Go de RAM. Dedans, moi j'ai pris la version du téléphone, c'est la 16 Go. Et on peut remettre une carte SD à l'intérieur de jusqu'à 64. Il prend jusqu'à 64. En tout cas, franchement, la vidéo nickel. Honnêtement, pas mal. Changer, Max. Ah, c'est rapide. Non, franchement, ça là-dessus, pas mal. Donc là, je m'en doutais, ouais, c'était des notifications, machin, comme ça. Bonjour à tous, c'est DJ Fred 112. Aujourd'hui, je vous montre à partir d'une photo sur un Mac comment partager cette photo sur un réseau social. Donc, Voilà. Non, franchement, il est nickel. Moi, je le trouve beau. Je vais quand même faire un petit tour. Donc, pour ceux qui veulent acheter un Samsung Grand 2, alors, franchement, il est grand. Avec une seule main, ça doit être difficile de faire le tour pour les icônes. C'est vraiment difficile. Mais sinon, à deux mains, de toute façon, c'est une phablette. Hein, c'est entre l'iPhone, entre le téléphone et la tablette. On est sur 5 pouces et demi, hein, je vous rappelle. Donc, à une seule main, je pense que c'est tout simplement pas possible de l'utiliser en tout cas. Ou alors pour des trucs de base, mais je pense pas que vous puissiez utiliser le téléphone à une seule main pour tout. Enfin, pour la totalité de l'écran. Alors, je vous fais juste le petit tour. Donc là, sur la gauche, on a juste le volumètre, plus et moins. En dessous, vous avez, en dessous le cache là, vous avez la connexion. Ça doit être de mémoire, c'est du micro USB. Donc, je vais quand même éteindre l'écran. Sur le côté droite, vous avez bah, justement le bouton allumer, éteindre qui est ici. Voilà. Au-dessus, vous avez la prise casque. Elle est quasiment au même endroit que l'ancien iPhone, parce que maintenant elle est en bas sur l'iPhone, mais sur les anciens, elle était ici aussi. Et je crois que Samsung, ils n'ont rien changé. Prenez le S3, S4, rien n'a changé. Je sais que le Grand 2, il doit faire, je sais plus, je regardais, il doit faire 350 euros nu le téléphone. Avec un abonnement, vous pouvez l'avoir à moins cher. Moi, avec la promotion, je l'ai touché à 299, enfin au niveau de la facture. Mais j'ai un forfait chez eux, à savoir de. En 16 Go et tout, donc enfin, le gros forfait. Quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai touché pas cher. Mais au niveau facture, normalement, enfin, là, le prix de départ était de 349 euros. Là, ils m'ont fait une réduction à 300 euros avant de retirer le fait de l'abonnement, tout ça.
Donc là, vous avez un appareil photo 8 mégapixels. Et comme vous avez vu tout à l'heure, il prend vraiment des photos magnifiques. Le petit haut-parleur qui est à l'arrière à côté. Là, vous avez le flash LED. Je ne sais pas s'il a activé la LED tout à l'heure pour la photo, mais la photo de toute façon était propre. Donc honnêtement, je vais essayer, je vais regarder s'il active le flash ou pas. Je vais prendre mon cache de mon école, justement. Okay. Voilà. Non, il n'active pas le flash. Donc là, il est en automatique. Donc là, il n'a pas eu besoin de flash. Tac. Donc mode auto, etc. Enfin, en tout cas, vous avez bien vu, hein, il prend vraiment des photos excellentes. Donc voilà. Moi, ce que j'en dis sur ce téléphone-là, bah, si vous êtes Android depuis longtemps ou vous n'êtes pas encore passé à iOS ou que vous n'avez pas de compte iCloud que vous utilisez à plein temps comme moi avec mon Note, je vous conseille honnêtement de passer sur un grand 2. Alors, le gros défaut de ces téléphones-là, ça me rappelle un peu le Note. Pour quelqu'un comme moi qui a eu le Note avant de passer à iOS, si vous travaillez en entreprise, en usine, parce qu'à l'époque j'étais en usine, je vous déconseille d'avoir un téléphone aussi grand dans la poche si vous n'avez pas une bonne protection pour l'écran, parce que ça éclate derrière rien. D'ailleurs, j'ai perdu le. Il est là, je vais le remettre. Donc, une bonne protection d'écran, quand je vous dis une protection, je ne parle pas d'un film. Vraiment une coque pour protéger, parce que ça s'éclate derrière rien. J'en ai déjà fait les frais sur un Note. Moi, ça m'a pété un angle parce que j'étais cariste. Et honnêtement, les grands téléphones, c'est bien si vous avez un boulot dans un bureau ou si vous êtes encore à l'école. Enfin, vous ne travaillez pas en usine en tout cas, parce que c'est vraiment très dangereux pour les téléphones et ça, vous risquez de l'abîmer rapidement. Donc, je ne peux pas vous faire un essai sur le NFC parce que je n'ai pas d'autres téléphones Android ou autres qui aient le NFC en tout cas. Mais voilà, si vous voulez mon avis, moi je vous dis, foncez, il est super bien. Il faudrait voir s'il existe la solution pour l'iCloud, mais ceux qui sont pas iOS, qui sont Android à fond, honnêtement, il est super. Il est magnifique, il tourne super bien, il rame pas, il prend des super photos, des super vidéos, il lag pas et voilà, allez-y. Juste pour la petite conclusion de cette vidéo, donc en fait, pour la petite histoire, je vous en parlais tout à l'heure, c'était à Auchan, pas Auchan, à. Je l'ai pris dans la galerie Fnac où vous trouvez mon partenaire Cadeau Magique, donc cette galerie-là au champ. Et la vendeuse a un petit peu insisté pour que je vous dise sur la vidéo, parce que je lui ai dit que j'allais faire une vidéo du téléphone, pour vous dire sur la vidéo que la petite demoiselle était bien sympathique, serviable, etc. J'avoue que pour une fois, mis à part le fait qu'elle m'ait fait faire deux allers-retours, Louer et Le Mans, donc ça j'ai un petit peu moins digéré. Mais sinon, au niveau de son boulot, franchement là-bas. Contrairement à Auchan, ils sont vraiment, vraiment géniaux. Donc, j'insiste pas dessus, hein, je leur fais pas de promotion ni rien. Il n'y a pas de. Je vous fais voir, je suis sur Google 4G. J'ai pas de partenariat avec Orange ni rien. Mais c'est vrai que la vendeuse de là-bas, elle était quand même assez gentille. Et voilà, elle voulait que je le dise dans la vidéo, donc je vous le dis, honnêtement, c'est vrai. Ils sont professionnels dans celui de la Fnac au Mans. En revanche, si vous allez à Auchan, moi j'ai eu affaire à eux, ils sont capables de vous virer un coup de pied au cul du magasin et surtout si vous avez raison, ça leur plaît pas beaucoup. Donc pour la comparaison. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le Samsung Galaxy Grand 2. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'y réponds toujours. Et likez, partagez, faites tourner à vos amis. Donnez votre avis sur le téléphone si vous n'avez pas le même avis que moi. Si vous avez rencontré des bugs, des plantages ou autres. Dites-le dans les commentaires. Et puis, bah voilà. Merci à tous.